Hey tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo glitch sur Cyberpunk 2077. Et même, je dirais une grosse vidéo glitch, hein, puisque vous l'avez vu dans le titre, vous allez pouvoir vous faire environ 120 000 eddies par minute. Ouais, 120 000 par minute. Donc en 10 minutes, le million, facile. Et en une heure, ça fait beaucoup, d'argent. Alors, pour procéder, vous allez devoir par contre ne pas avoir fait un événement dans le jeu, une petite mission. Moi j'appelle ça des événements pas aléatoires parce que c'est à des endroits fixes de la map. Mais voilà, en gros, vous ne devez pas avoir fait une mission, sinon c'est mort. Parce que dans cette mission, vous allez récupérer un objet qui va permettre justement ce glitch. Et si vous l'avez déjà fait et que en plus vous avez revendu l'objet, c'est cuit. Voilà, donc ça se passe ici, à Santo Domingo. Et donc vous avez, à cet endroit-là, 3 SDF qui attendent devant un ordinateur, voilà. Donc vous allez engager le dialogue, vous allez discuter et tout. Et en fait, vous allez devoir récupérer la fameuse mallette. Donc voilà, vous passez les dialogues, tout ça. Et il y aura à un moment plusieurs choix de dialogue. Vous vous emmerdez pas, vous mettez « je veux vous l'acheter ». Voilà, la mallette coûte seulement 2000 eddies. Quand on sait tout ce qu'on va se faire derrière, vous embêtez pas, achetez-la et basta. Une fois que vous les avez payés, ils vont s'en aller. Vous aurez donc accès à l'ordinateur. Vous allez devoir le pirater pour avoir accès à son contenu. Et une fois piraté, vous allez aller dans Fichier et vous cliquez sur Launch.exe. Et ça va en fait vous donner une localisation dans le désert où se trouve le fameux objet buggé. Alors attention, c'est pas voulu, hein. c'est un bug du jeu. Hein. L'objet va être sans doute patché très rapidement. C'est pas voulu que ce soit buggé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc bref, une fois que vous avez la localisation dans le désert, vous vous y rendez. Attention tout de même, sur place, vous aurez des ennemis qui vont défendre l'objet. Et des ennemis assez puissants. Voilà, enfin puissants. Évidemment, si vous faites le glitch dès le début de l'aventure, vous allez vous faire fumer. Ça c'est sûr. Mais si vous le faites après, je sais pas, 5-6 heures de jeu, voilà, j'ose espérer que de toute façon vous allez le faire après quelques heures de jeu. Ça n'a pas d'utilité de le faire dès les premières minutes, c'est complètement bête, vous ruinez l'aventure. Jouez, et au bout d'un moment, voilà, quand vous avez assez d'heures de jeu, faites ce glitch pour ne pas vous gâcher l'immersion. Vous vous débarrassez des ennemis, tout ça, et vous allez voir une espèce de capsule qui est tombée du ciel, qui est tombée de l'espace. Et dans celle-ci se trouve un tableau. Ce tableau-là, en fait, il est complètement buggé. Puisque quand vous allez aller le revendre à un point de dépôt, il va être repris 4000$, 4000 eddies. Et en fait, il y a un petit glitch, une petite astuce qui permet de le racheter pour 5 eddies. Et donc, du coup, vous avez compris la manip. Vous le rachetez 5, vous le re-revendez 4000, vous le rachetez 5, vous le revendez 4000, etc., etc. Et donc, pour ce faire, c'est très simple. Hein. Vous allez au point de dépôt, vous appuyez sur Y pour vendre, vous le cherchez dans l'inventaire, voilà. Petite astuce, hein, vous cliquez sur les petites caisses, le dernier onglet, et vous triez par prix. Comme ça, il apparaîtra directement en premier objet. Et en fait, donc, vous allez le revendre, et plutôt que de le racheter directement, parce que vous le voyez, il est à 4000, bien vous allez sortir du point de dépôt, vous allez recliquer, et là, comme par magie, vous pouvez le racheter non pas 4000, mais 5 et 10. Voilà, donc vous le rachetez, vous le revendez, vous quittez, vous le rachetez à 5, etc., etc. Voilà, vous avez compris, je pense, la manip, vous n'êtes pas bête. C'est vraiment très facile, faut simplement vendre, sortir, racheter, vendre, sortir, racheter, vendre, sortir, racheter, voilà. Mais c'est assez long, vous le voyez, c'est 4000 par-ci, 4000 par-là, voilà. En plus, au bout d'un moment, le point de dépôt est à sec, hein, parce qu'on ne peut pas revendre ces objets en illimité dans ce jeu. Chaque vendeur, chaque point de dépôt a une limite, a une petite réserve, une petite banque, et une fois que vous avez épuisé, toute sa banque, et vous pouvez plus revendre, vous devez aller avoir ailleurs. Mais j'ai encore mieux à vous proposer. Donc vous l'avez vu, vous pouvez revendre le tableau 4000 et le racheter pour 5 eddies. Donc vous êtes gagnant de 3995 eddies grâce à cette petite astuce.
Mais si je vous disais que vous pouvez en revendre plein d'un coup, en fait vous pouvez tout simplement dupliquer les objets dans le jeu. Il y a un second glitch qui permet de dupliquer n'importe quel objet, dont le tableau. Donc plutôt que d'en vendre un par un, eh bien vous pouvez en vendre 10 d'un coup et du coup vider le point de dépôt. Donc je vais vous expliquer comment faire, c'est vraiment très très simple. Vous allez devant un point de dépôt, vous allez revendre le tableau une fois. Tac. Bon, vous voyez, j'en ai déjà 241. Donc vous en vendez un seul. Hein. Un seul ici, voilà. Donc là, il est rachetable pour 4000, mais vous faites l'astuce, entendu. Vous quittez, vous revenez, il passe à 5 et 10. Mais vous n'allez pas le racheter, vous quittez, vous sortez de là. Et en fait, là, vous allez tout simplement appuyer sur triangle ou Y sur Xbox, et en même temps, faire la touche Select, celle qui vous permet de sauvegarder. Je vous montre, c'est celle-ci, celle qui vous affiche ce menu. Vous appuyez en même temps sur ces deux boutons, et normalement, vous devriez arriver sur la page de rachat. Attention, bam, c'est bon. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est que, en fait, je peux en acheter de façon illimitée. Regardez. Voilà. L'objet ne se vend jamais. Enfin, il revient jamais dans mon inventaire. Il reste bloqué au point de dépôt. Donc, vous en prenez une centaine, même un peu plus, voilà, pour être bien tranquille. Vous spammez la touche A. Voilà. Vous quittez. Vous voyez en bas à gauche, nouvel objet reçu. Et vous allez voir que je suis passé de 200 à sans doute 300. 345, voilà. Et maintenant, ben c'est très simple. Je peux en vendre plein d'un coup. Là, vous voyez que mon point de dépôt, il est à 16 010. Donc, je vais revendre pour 16 000 de tableau. Je fais ça. Et voilà, 16 000 confirmé. Je quitte. Et j'ai mon oseille. Là, le point de dépôt, il est à sec. Donc, vous avez le choix soit d'aller voir d'autres vendeurs, d'autres points de dépôt, tout ça pour les vider. Mais bon, c'est un peu chiant, parce que vous allez devoir vous balader en ville. Moi, je vous propose encore une optimisation du glitch. Vous allez tout simplement passer 24 heures dans le jeu. Vous faites ça, confirmer, hop, et là, le point de dépôt est de nouveau à 20 000. Vous faites vente, vous vendez pour 20 000, confirmer. J'ai mon argent. Je repasse 24 heures. Hop. Le point de dépôt est à nouveau à 20 000. Tac. Je vends 5 tableaux. J'ai mes 20 000. Je repasse 24 heures. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous allez voir. En même pas 10 minutes, vous avez, je pense, le million. Un truc comme ça. Hein. Je sais pas trop calculer, hein. J'ai surtout pas fait le calcul. Je sais calculer, merci, j'ai déjà été à l'école. Mais je sais pas combien ça fait. Voilà, je me fais 20 000 en 10 secondes. Si vous allez super vite, vous vendez, tac, vous passez le temps, bim bim. Sur PC, ça doit être encore plus rapide. Parce que bon, là, au joystick, tu vois, c'est assez lent. Mais à la souris, ça doit être tac tac tac. Hein. Voilà, vous faites en gros 20 000 en 10 secondes. Donc en une minute. Ça fait 120 000, c'est ça? Non, je sais pas. Oh putain, il faut pas me demander ça, moi, en plein tournage de vidéo comme ça. Mais bref, voilà, ça va très très vite. Je vais vous faire le calcul, je vous mettrai ça dans la description, dans les commentaires. Et puis voilà. Vous me dites dans les commentaires combien vous vous êtes fait, en combien de minutes. Ça permettra d'aiguiller les gens, voilà. Et puis bah c'est tout, je crois que je vous ai tout dit. Hein, si, profitez-en dès maintenant, enfin faites vite, parce que Cyberpunk se fait patcher très régulièrement à cause de tous les bugs. Donc il se peut que le prochain patch corrige ce glitch d'argent. Donc faites-le tout de suite maintenant. Même si vous avez autre chose à faire, t'annules. Tu dois aller au boulot, t'annules. Tu fais ce glitch. Sinon, ben, c'est trop tard. Il y aura peut-être plus moyen d'avoir autant d'argent dans le jeu. Là, c'est vraiment la régalade. On peut taper le million en même pas une heure, je pense. Et encore, peut-être même plus que le million, vu à la vitesse à laquelle ça va. Bref, les amis, maximum de pouces bleus, partagez ça avec vos potes. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur Cyberpunk. Portez-vous bien, tchuss!